espacement doré et lacune. Ils sont vus les déserts verts. On les rêve, on les parlera. Les oiseaux de jet immobiles. Les armes couchées au soleil. Le son des voix chantantes. Les mortes, les mortes, les mortes. Connivence, révolution. C'est l'ardeur au combat. Chaleur intense, mort et bonheur. Dans les poitrines mamelées. Les phénix, les phénix, les phénix. Célibataires et dorés libres. On entend leurs ailes déployées. Les oiseaux, les sirènes nageantes. Les arêtes translucides et les ailes. Les soleils verts. Les prairies violettes et plates. Les cris, les rires, les mouvements. Elles affirment triomphant que tout geste est renversement. Quand il pleut, elles se tiennent dans le kiosque. On entend l'eau frapper les tuiles et ruisseler sur les pentes du toit. Des franges de pluie entourent le pavillon du jardin. L'eau qui descend aux angles a un débit plus fort. Il y a comme des sources qui creusent les cailloux. À l'endroit où elle touche le sol. À la longue, quelqu'une dit que c'est comme un bruit de miction, qu'elle ne peut pas y tenir en se mettant accroupie. Certaines alors font cercle autour d'elle pour regarder les nymphes chasser l'urine. Elles se font peur en se cachant derrière les arbres. L'une ou l'autre demande grâce. Alors on se laisse attraper dans le noir en disant malheur à celle qui est vaincue. Ou bien on cherche à tâtons, en reniflant celle dont le parfum est honoré. Sous le soleil, les toits des maisons et les murs ont une toute autre couleur. Le brouillard est étendu sur l'eau, sur les champs autour des maisons. Il pénètre derrière les fenêtres closes. Quelqu'un vient pour visiter la maison. Elle ne peut pas la voir. Les grands tableaux dont les couleurs sont violentes disparaissent derrière des vapeurs oranges. Elle se laisse tomber par terre alors en demandant qu'on la distrait. On lui raconte avec beaucoup de détails l'histoire de celle qui, parlant de sa vulve, a coutume de dire que grâce à cette boussole, elle peut naviguer du levant au couchant. Quelqu'une nageant en se laissant dériver vers les dernières taches du soleil sur la mer, à l'endroit le plus lumineux, alors que, aveuglée, elle tente de s'éloigner. Elles disent qu'elles sont assaillies par une puanteur insupportable. Plus tard, elles sont prises de vomissements. Elles se mettent à gémir alors en forçant sur leurs bras, en nageant le plus vite qu'elles peuvent. À un moment donné, elles heurtent la charogne flottante d'un âne. Les remous de la mer font surgir par moments des parties gluantes, informes d'une couleur indicible luisante. Elles disent qu'elles ont crié avec toute leur force, en versant des larmes nombreuses, en déplorant que par une brise marine ne se lève pour chasser le dos, en soutenant sous le bras et aux ailes l'une d'entre elles qui s'est évanouie, tandis que leurs vomissures se multiplient autour d'elles, à la surface de l'eau. Si quelqu'un marche sur la côte, c'est à peine si elle peut tenir debout. À travers
vallée, on aperçoit des cochers blancs et violets ou des champignons à chapeau rose. L'herbe n'est pas rose. Ici tient les génisses, nombreuses. Les maisons sont closes à partir des pluies d'automne. Dans les jardins, il n'y a pas de petites filles qui jouent. Il n'y a pas de fleurs dans les plates-bandes. Quelques jouets sont à l'abandon. Un cerceau de bois peint, un hibiscus rouge. Pour se procurer des provisions. On passe devant les étals de fruits et de légumes, des bouteilles de vin, rose, bleu, il y a des entassements d'orange, orange, d'ananas, ocre, de mandarine, de noix, de mauve verte et rose, des bons bleus de pêche verte et rose, d'abricot jaune, orange. Il y a des pastèques, des papayes, des avocats, des melons, des amandes vertes, des nefs. Il y a des concombres, des aubergines, des choux, des asperges, du manioc blanc, des piments rouges, des citrouilles. Sur les bras nus des jeunes vendeuses, des guêpes sont posées.